Et bonjour à tous, c'est Mzorsio pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 9 de Farming Simulator 2022, toujours en compagnie de notre très cher Benrich. Comment vas-tu? Très bien, et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, comme prévu, on se retrouve devant cette Emma de champ 36 qui est si grand à mes yeux que je vais devoir mettre de l'engrais Ok, le télescope, il va pas y arriver. pour apporter de l'argent. On est parti tout de suite. On est lancé. Et du coup, par contre, ça valide la mission tout seul dès qu'il a un certain pourcentage. Non, il va falloir surveiller, il faudra la valider nous, je pense. Ah, et c'est où qu'on Bon, je valide? pense pas que ça ait changé d'avant. C'est où les quêtes déjà? J'ai pas. Si, ça met un pourcentage, tu vois, regarde. J'ai fait Oui, 2%. ça met un pourcentage, mais il faut que tu... Quand ce sera à 100, je pense que c'est à nous de la valider. Ok. Bon, ce qui est bien, C'est vrai c'est que qu'au oui, tu moins. vas pouvoir économiser un peu d'engrais, t'auras pas besoin de passer partout, partout, quoi. Puis ouais, voilà, je peux partir un peu en zigzag. Alors pas trop non plus, parce qu'après... Non, pas trop, mais genre, voilà, si je fais pas des lignes droites, droites, vraiment. On a 4 tonnes de cailloux. Ah non, mais je vais attendre en fait pour les cailloux, parce qu'on va en avoir d'autres, je suis con. Donc il faut qu'on surveille le maïs et le blé, parce qu'ils sont en train de monter, pour les vendre au meilleur prix. Ouais. On s'est rendu compte qu'il allait... On va pas acheter les cochons maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'il allait faire très froid et qu'on allait... On risquait d'avoir besoin de la neige, enfin des outils pour la neige, et peut-être d'autres trucs. Cet hiver, on fera du bois. Ouais. Et je vais aller couper de l'herbe, moi. Fonce. Et remettre de l'eau dans la serre aussi. Ouais, c'est vrai. Que les fraises ont pas mal poussé. C'est qu'avec toutes ces histoires de cailloux, de labour, de trucs, eh ben, 5 tracteurs, c'est limite en fait, hein. Après, je pense que tu peux pas avoir plus d'employés que t'as de champs. Je sais pas si c'est par rapport au nombre de champs Je ou pense pas que en c'est ça. fait. Parce qu'on a 4 champs et on peut mettre 4, maximum 4 ouvriers. Ouais, est-ce un heureux hasard? Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Mais peut-être que c'est ça, hein. Une question. Elle est toute petite, la faucheuse. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais après, on pourra, genre, si on gagne assez, on pourra acheter ce qui va derrière. Ça coûte genre 25 000. Là, ça fait un truc énorme. Ça fait comme si t'avais la grosse machine. Ok. T'en mets une devant le tracteur, l'autre derrière qui fait les deux gros trucs. Et... Ouais. Après le 36, tu m'as dit que je devais faire lequel? Bah, théoriquement, le 33, mais la mission n'est pas dans nos missions à faire, mais elle n'est plus dans les missions disponibles. Alors, je sais pas où est parti le truc. Donc, faut surveiller quand on validera le 36. Est-ce que le 33 existe? Est-ce que ça sert à rien que tu le fasses, tu Ça vois, ou pas? marche. Par contre, je suis en train de me dire qu'en fait, si on veut faire de l'herbe, il va falloir acheter un endaineur aussi. Après l'herbe, je pense pas que ce soit très très rentable. Bah, en vrai, quand t'en urban, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, quoi. Après, là, c'est de l'herbe pourrie. Genre, il y a des mauvaises herbes, on n'a pas fertilisé, on n'a rien fait. Je pense que ça aurait besoin d'être labouré. Enfin, t'as compris, quoi. Elle va pas produire de ouf. Ouais. Mais pour nos vaches, ça suffira, tu vois. Mais là, si ça peut nous permettre de gagner un peu d'argent en plus, en vrai. Ouais, mais bon, si t'achètes une machine 100 000 et qu'on rapporte que 10 000 d'herbe, Ouais, bah, on aura la c'est pas top machine top, pour hein. quand on aura les vaches. Mais c'est vrai que là, pour le coup, sur le moment, tout de suite, ça nous aura fait perdre de l'argent. Surtout s'il y a la neige qui arrive en décembre. Je sais pas comment ça va être, si ça va vraiment bloquer les routes ou pas. Je sais pas, est-ce qu'on va glisser? Est-ce qu'on pourra pas monter une pente? Est-ce que. Parce qu'il y a des trucs pour saler, il y a des trucs pour enlever, il y a de tout, donc je sais pas du tout. Je pense que s'ils ont rajouté ça, c'est qu'il y a une utilité, hein. Je pense pas que c'est fait pour être joli, hein. Ah bon? J'aurais cru. Ah ouais, il y a des cajots de fraises là. Le truc il est plein. Ah, faut aller vendre. Ouais, je vais prendre le télescope et je vais commencer à remplir le chariot. Ouais. Bon, attends. Oups.
toi. Oh, tant pis, tu vas faire le tour, mais c'est pas grave. Viens, genre, là. Ah, il y a un ouvrier qui a arrêté de travailler. Ça y est, c'est mis en grève. Ah bah tant pis, il va rester là, hein. Non mais en fait il faudrait que je puisse faire plusieurs choses à la fois. En fait on a tellement de choses à faire que genre on aurait pu faire des missions et depuis longtemps mais on a tellement de trucs à gérer, à faire. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr, il y a du taf, hein. Il y a du taf et ça s'arrête pas. Faut surveiller les prix, putain. Ah ouais, je peux pas là, hein, je conduis. Le blé, ça a arrêté de monter. Donc il faut aller le vendre. C'est à 712 au moulin à grains. Et Combien de tonnes tu vends déjà? le maïs, ça continue à monter. Le blé, j'ai 42 tonnes. Ouais. Peut-être le moment de vendre. On attend encore un peu peut-être. Donc ça va redescendre après. Moi c'est le moment de vendre. Bon, vend, Après vend. peut-être que pendant l'hiver ça va remonter, je sais pas. Et peut même monter plus haut. Peut-être qu'ils veulent qu'on garde pour l'hiver. Je sais pas, c'est un coup à jouer. Est-ce qu'on a besoin de l'argent tout de suite? Ah concrètement non. Donc est-ce qu'on tenterait pas le coup de bluff un petit peu attendre? Ouais mais si après ça chute au moment où on en aura besoin, tu vois, ça fait chier. Ah oui, c'est sûr, c'est le jeu. Après, on peut faire un emprunt de 45 000 encore. Donc, en vrai, si on a besoin de quelque chose, on peut ne pas vendre le blé et le garder. Hein. Peut-être qu'il augmentera un peu en hiver. Ouais, on peut se dire ça. Ou au printemps, quand il y aura vraiment plus de stock nulle part. Ouais. Si on voulait en semer. On garde du coup. Allez, on garde. 712. Est-ce que je vends le maïs à... Alors, il continue à monter, donc on va attendre. Mais est-ce qu'on va vendre le maïs ou pas? Ouais, le maïs, on peut le 780. vendre par contre. Je pense que le maïs, on peut le vendre. On va pouvoir vendre la deuxième machine à cailloux aussi. Ouais. Bah en vrai, après, on n'en aura pas besoin de 150, hein. Bah non, c'est sûr. Ok, le maïs continue à monter. Continue le petit champ 36, bon écoute, hein. Bientôt l'hiver. L'hiver il commence en décembre, non? Ouais. Ah mais on est en novembre, ok. Ouais, Oui, c'est pour ça. alors d'après ce qu'on a vu, il neige en décembre, il neige en janvier. Par contre, il va pleuvoir en avril, mec. Bon, de toute façon, je crois qu'on récolte rien en avril. Parce que du coup, Oui. dans le 17, on mettra des betteraves, je pense. Donc on les D'accord. plantera en mars. On Le les 13, récoltera faut le planter genre aussi, hein. octobre-novembre. De quoi? Le 16 ou 13, là, je sais plus. Le 17. Oui, mais il y a l'autre aussi à planter, hein. Donc c'est ma question, qu'est-ce qu'on va foutre dans le 13? Dans le 13, nous pouvons mettre
Alors, ouais, pour pas perdre une année, on peut mettre avoine, maïs, tournesol, soja. On va pas mettre de betterave, je pense, parce que la machine est toute petite, tu vois. Ouais. Je mettrais un truc qui se récolte avec la moissonneuse. Si on fait blé, orge ou colza, faut attendre un an. Donc on va peut-être pas faire ça. Un truc qu'on peut faire rapide pour après vite Si on replanter. fait de l'avoine, on est sûr de pouvoir replanter blé, orge ou colza, parce que ça se récolte juste avant. On fera ça alors. Si on fait du maïs, c'est limite. Tu vois, l'autre champ, on est en train de le récolter maintenant, donc c'est trop tard. Et ça peut tomber pile le bon. Ça peut tomber en octobre, mais ça peut tomber genre maintenant, et donc c'est trop tard. Pareil pour le tournesol, le soja, en fait. Le seul qu'on est sûr de pouvoir ressemer, c'est l'avoine. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on fout de l'avoine ou est-ce qu'on tente un truc dont on n'est pas sûr à 100%? C'est une Si très on le bonne plante tôt, on question. peut se dire que ça mûrira tôt, tu vois, mais bon. On verra au moment de venu. Est-ce que juste tu peux vérifier que sur le champ 15, lui qui enlève les mauvaises herbes, s'il a fini, l'envoyer sur le champ 16, s'il te plaît. Je pense qu'il doit avoir fini, ou presque. Ouais, il a fini, t'as raison. Comme ça, on l'envoie vite avant la deuxième journée. Hein. Avant de passer au mois suivant. Oui, putain. Sinon, elles vont grandir. Eh ouais. On a plus d'argent. Bientôt j'ai fini. Je crois que c'est trop tard. Comment ça? Je crois qu'elles ont grandi. Comment c'est possible? L'ouvrier, il veut pas faire. Je suis en train de le faire à la main, mais je crois que j'enlève. Ah, mais non, mais il n'y en a plus là. Il y a un endroit où il n'y en a pas. L'ouvrier, il veut pas le faire. Et j'ai pas l'impression que j'enlève quelque chose. Se rebelle Je pense que c'est trop tard. sur lequel le champ Je pense que le col... En fait, le... je sais pas si c'est que c'est trop tard, si c'est que le colza est trop grand, si c'est. Je sais pas, mais. Je vais démarrer de l'autre côté du champ, peut-être. Par contre, c'est difficile de voir la limite du sur quel champ. champ sur quel champ Il y a de l'herbe partout. oui mais Le qu'est-ce champ 16, ça marche pas, j'ai l'impression, ça oui enlève il y a pas. la moitié tu peux pas enlever ça a trop poussé l'autre moitié tu veux. Bah écoute, je suis en bas là et j'ai pas l'impression. Mais moi, j'ai le bug. Est-ce que ça enlève pour toi? Pas tout le temps, mais oui. Ah oui, Contrat de d'accord. champ 36 terminé. Est-ce que ça rapporte l'argent? Non, oui. Parce que je viens de valider. Hein. Le champ 33, il y est pas, hein, il a disparu. Ah. T'as le 9 qui rapporte 7 000, le 11, le 22 qui rapporte 8 000. C'est ceux qui rapportent le plus. Est-ce que tu peux lancer le 31? T'es à côté du 31? Ouais. Je C'est bon, le 31 est lancé. pense, je crois pas que j'aurai assez de. Attends, j'ai un problème. Le 31 est lancé, mais je le vois pas non plus. Moi non plus. Dans les contrats à faire. Bah, essaye. C'est bizarre, hein. On dirait que le jeu est bugué. Par contre, je n'ai plus d'engrais. Est-ce que tu peux en livrer à la boutique, mais là où je suis, ou pas par hasard? Attends. Il y a plusieurs problèmes à gérer là. Il est où le 31? En bas. Mais mec, je crois que le contrat il marche pas, hein. Ça clignote pas. Hein. À moins qu'il faut le commencer, attends. Non, non, tout à l'heure ça clignotait avant. Non, attention, j'ai pas accès à ce terrain, ils disent. Bah, tu vois, bah, ça a pas marché, ça a pas pris le. Je comprends pas. C'est trop tard, ils sont pas mis à jour les contrats ou quoi? Il y en a un autre qui est à proximité. 29, 22, 11, 3. 2 T'as quelque chose? le 29 mais de toute façon je suis obligé de remonter donc le 9 Le 9, y a pas. Il a disparu, je pense qu'ils ont disparu, c'est trop tard, genre ça a poussé. le 11 Le 11, accepter le contrat. Mais ça marche. C'est bizarre, genre ils disparaissent.
Je pense que le jeu a bugué. Étrange. On peut plus faire de contrat. À moins qu'on soit limité en fonction de par jour. Et mec, ok, je viens d'accepter 4 contrats là. Il n'y en a aucun. Ah, le 3 ça a marché, il est actif. Faut que tu fasses le 3. Ou alors je peux l'annuler. Mais je sais pas, il y a des contrats en fait, ils devaient plus être dispo, mais ça les a pas supprimés. Je vais faire le 3. Juste, tu peux me racheter de l'engrais, s'il te plaît. Ouais. J'en ai acheté 3. Parfait. Après, je dois remonter toute la map. Oui, je me suis pris un arbre. Cet hiver, on va en profiter pour ranger un peu, je pense aussi, parce que c'est un sacré bazar. Ah, ouais. Attends, est-ce qu'on peut les prendre là? Ouais, ça va, je vais moins galérer comme ça. On peut prendre les cagettes à la main. C'est vrai. Oui. Ah, tant mieux. Je vais avec le télescope, oui, ça se fait, mais bon. Hein. Ouais, Oh putain. Faut être délicat par contre. Hein. t'as tout mis à la boutique? J'ai tout mis à la boutique. Genre c'est t'as acheté, ça se met à la boutique comme d'hab, hein. Ouais. Tu peux regarder. Oh, j'ai renversé le plateau. À la force de mes bras. Tu peux regarder à combien se vend le maïs? Bah, attends, je le fais. Et il continue à monter, on est d'accord? Ouais. Ok. Bonne question, je suis en train de conduire. J'ai renversé des fraises. Ah non, Venri, fais attention déjà le peu qu'on en a. Je galère de ouf, Tu les t'imagines stockes ou tu pas. les vends en direct? Je suis en train de les mettre. Oh putain, j'ai lancé la cagette. Oh non, elle a bugué dans le sol. Ok, bon, je vais la récupérer avec le télescope. Je suis en train de les mettre sur le plateau en fait, mais c'est très 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 compliqué. Ah, ouais. On est sur une instabilité la plus totale. Et je viens de coincer une cagette à l'intérieur du sol Tu dois du faire quel jeu. champ déjà, tu m'as dit? On a le contrat sur Le le 3. 3. Il va pas nous rapporter grand-chose, hein, je te le dis. Oh, c'est toujours ça. Alors, comment débugger une cagette qui est dans un sol? Super bien placé, j'adore. Ouais, il T'as fait vraiment encore beaucoup de nuit là, j'ai l'impression cagettes. qu'il fait toujours nuit. Ah, ça passe vite, hein. Les mauvaises herbes, c'est bon, côté mauvaises herbes. Ok, faut arriver à coincer le télescope dessous. Ok, je suis en train de soulever le télescopique. Putain, j'avais réussi sur ma partie solo. De quoi? À décoincer la cagette qui est dans le sol. Ah. Ok, je crois que je l'ai. Ok, j'ai la cagette. Non, putain. Parfait. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Elle est en train de vibrer. Ah. Il y a 150 fraises dedans. C'est bon, je l'ai. Oh putain. Après, peut-être qu'on pourrait investir sur un peu plus de serre, par exemple. Hein. Oui. Mais oui, il faut qu'on fasse le calcul de combien ça rapporte en fait une serre. On l'avait fait, mais je m'en souviens pas. Parce que en vrai de vrai. Déjà, on a dit que ça mettait combien de mois à être rentable une serre? 3 Entre mois, 6 mois, je m'en rappelle 4-5 plus. mois, je crois. Parce qu'en vrai de vrai, ça pourrait nous faire un bon rapport de rentabilité quand même. Ça pourrait. Ça prend du temps. Faut remettre de l'eau souvent, faut prendre les cagettes. Mais ouais, Mais mais si on laisse tout à côté, genre on laisse les cuves, on met un bidon d'eau en bas. y a moyen de faire des choses, hein. Tu vois, je me dis que bon, pourrait gagner un petit peu. Parce qu'en vrai, si ça nous rapporte 50 000, imaginons tous les mois, C'est pas mal, oui. ce serait pas mal, hein. Là, ça produit à la vitesse à laquelle j'enlève les palettes, j'ai l'impression. Ah, ça produit vite, hein.
Faut pas sous-estimer. Ok, je viens de m'envoler dans le ciel avec la cagette par contre. C'est un peu embêtant ça. Dis quoi. Bon, je pense qu'on va déjà vendre ça. Parce que j'ai du mal à en mettre plus et je crois. Je suis pas sûr que les sangles attachent les palettes. Je sens que ça va être la merde. Ah si, les sangles se sont mis sur les palettes. Ok. Ok, alors, chaque chose en son temps. Le maïs, ça monte toujours. Lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Je pense que. Je me demande si les cailloux, il a pas terminé. Ah bah fais passer le rouleau alors. Je vois plus de cailloux. Alors, j'ai. Ah, si, j'ai un tracteur pour les rouleaux. Fais passer le rouleau. Tu peux me dire où ça se vend, mais en fait, de toute façon, il va falloir que j'y aille pour cliquer sur le point. Les fraises, le prix est en train de baisser. Hein. Merde. Ça se vend à 537 en magasin d'exploitation agricole. Ah, ça, par contre, c'est pas loin, c'est juste à côté. C'est à côté. Ouais, c'est vraiment pas loin. Bon, ça c'est déjà une bonne chose si ça se vend à côté. Ok, les rouleaux, c'est parti. Parfait. Je pense que les pierres, il a fini. On va lui dire de faire le tour. Juste renverse pas mon plateau, renverse pas mon plateau. Merci. Je crois que j'ai bientôt fini le champ 3. Contrat champ 3 terminé. Attends, Parfait. mais il y a un gros problème là. Il fait demi-tour en plein milieu du champ. Ok, regarde le 16 et dis-moi parce que pour moi il y a des mauvaises herbes partout. Le 16. Ah oui, il y en a partout. Bon, bah voilà. Du coup, faut acheter un. Si on veut, soit on se les garde, soit il faut qu'on achète un pulvée et de l'herbicide. Même en bas du champ 16. Partout dans le champ 16 et pourtant je suis passé partout, il est passé partout. Parce que normalement, il y a une partie qu'on peut enlever. Hein. Bah oui mais non parce que ça a poussé durant la journée quoi. Quand on a fait le 15 on aurait pu, ça aurait marché, mais la journée a trop avancé et du coup ça a poussé. Ça c'est embêtant. Donc si on se les garde, si on achète un pulvée. Bah, je sais pas. Là, je pense qu'on va attendre de vendre le maïs et les fraises. Comme ça, on fera pas d'emprunt supplémentaire. J'ai 2 tonnes 7 de fraises. Ok. T'es prêt? Tu vends T'as les accepté le fraises? contrat? Non, non, j'ai obtenu, ben, j'ai pris la récompense. Allez, maintenant on observe l'argent. Pourquoi tu vas faire quoi? Fraise n'est pas acceptée ici. Voilà, merci. Pardon? C'est pas là que je devais aller? J'ai acheté le 29, mais vas-y, acheter le 29. Pourtant, c'est là qu'il faut que j'aille. Putain, c'est chiant. Ah, ça doit être là. Ok, on regarde l'argent. Ouais.
2 tonnes de fraises. Hein. Ça va en vrai. Ça va. Sachant que tu mets de l'eau de temps en temps, quoi, c'est tout. Non, ça va. Sachant que tu fais rien, Bon, par c'est de contre, il n'y a plus trop l'argent. d'engrais. Là, il n'y a plus de mission d'engrais. Hein. C'est de l'argent facile et gratuit, quoi. Il reste quoi comme mission? Bah, le reste. C'est-à-dire travaux des champs. Ouais. T'as du labour, du pressage et c'est tout. Ouais. Ah, écoute, tant pis, hein, c'est fini. Hein. On verra le mois prochain. De toute façon, va falloir aller vendre le maïs dans pas très longtemps. Bon, Mister Mauvaise Herbe, on va le laisser là, au cas où. Lui, il roule. Merde, je fais un retour window. Ah, ça embête. Ouais, ça va pas le faire, ça va pas être bien ça. Oh, bah je ramène le camion là, tracteur plutôt. Et voilà, hein. J'ai bien taffé aujourd'hui. Mince, je suis chopé là. C'est pas grave, faut que j'y aille. Ouh là là. Du coup, le saisonnat des mauvaises herbes, au pire, on va se les garder comme ça. Hein. Bah, tu penses? Je sais pas. On a mis quoi dans le 16? Me souviens pas. Tu penses qu'on peut voler les voitures? Obligé, je tente. Non, on peut pas. Bah, attends, mais. On C'est peut pas, ouais. presque sûr que non. Tu disais, on a mis quoi dans le 16? Je sais pas. Deux trucs on a mis. Et du colza et du blé, je crois. On n'a pas beaucoup du colza, donc. Le 17 a besoin de chaud. Est-ce que j'en mettrais pas? Si, il faut que t'en mettes. Mais faut que tu vides ton truc, c'est pas. T'as pas le bon. Mais je vide. Mais oui, faut que t'en mettes. Hop. C'est ça la chose, c'est ce qui est à gauche là. Ouais, normalement. Trop loin. C'est passé et puis je lancerai les pierres juste derrière. Waouh. Un petit problème technique. Ouais, c'est joli de t'observer. Un gros problème technique là. Le maïs, il continue à monter, hein, je suis surpris. 852, je pensais pas. Le Mendrich, on a un petit souci. Descends. Attends, tu trouves la solution. Oh, mais t'es coincé, coincé là en fait. Ah ouais, coincé, coincé là. Je crois qu'on va devoir porter le machin. Hein. Si, ça va le faire, ça va le faire. Après, genre, c'est vraiment pas ma faute. Hein. Bien sûr, jamais. Tout le monde est témoin, vous avez bien vu. Ouais, dépêche-toi que je lance les cailloux derrière toi. Ouah, ça va être en 30 secondes, il fait le truc. Le rattrape après, je le rattrape après. J'ai oublié qu'il était pas aussi gros que l'autre. Par contre, ta pierre, pour comment ça se fait qu'il fait des. Il va pas tout droit là. Ah si justement, il va tout droit, il sait pas faire les diagonales. Ah, et du coup, il fait comment? Bah laisse-le passer. Bah je sais pas de quel côté il va partir, il faudra faire l'autre côté quoi, bon bref. Non, mais sérieux. Putain, il s'est coincé dans un lampadaire, mais pitié.
pas apprendre à conduire, sérieux? Ah là 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 là. On va se mettre à faire du bois, du coup. Ouais, prochain épisode, on va attaquer le bois, enfin. À moins que décembre soit un peu mouvementé par la neige et les mauvaises herbes, ce que Je suis en j'espère train pas. d'espérer qu'on puisse couper les arbres qu'on veut parce que Oh à une là. époque on le pouvait, mais je sais pas si c'est toujours le cas. Je sais pas s'il faut pas planter des arbres exprès, tu sais. Non. Je sais pas si on peut tous les couper en fait. Je crois qu'il y a des arbres qui sont pas coupables. Sérieux? Oui. Ce qui d'un nous change, je pense qu'on peut, hein. Là, je sais pas. Faudra voir. C'est chiant ça. Ah, ça fait un peu d'argent. T'as fait quoi? J'ai vendu la machine à cailloux. Ah, j'ai plus de chaud. Tu peux en racheter mon petit manège, s'il te plaît? Acheter quoi? La chaux. Oui? Oh, c'est pas ma faute, hein. Attends, mais... Attends. J'attends. Il y a un truc qui est en train de me faire des sueurs froides là. On peut payer à 1920 000 litres d'engrais. Et depuis tout à l'heure, on paye à 1820 000 litres d'engrais. Et donc? Il y en a un qui est moins cher que l'autre. Genre, si tu prends des palettes ou des big bags, il y a 100 € de différence. Genre, faut faire gaffe quand même. T'as la même quantité, mais 100 balles de plus. Bizarre. La chaux, depuis le début du jeu, on la paye 450. Si on prend des big bags, on la paye 350. Ah ouais. Une palette, c'est plus solide qu'un big bag. Ah, Bah, c'est pour j'étais le pris des big bags transport. du coup, vu que c'est moins cher. Bah, surtout que j'allais chercher quoi. Ça, je termine ce champ et on va se laisser là. Et dans le prochain épisode, on ira tranquillement faire ce qu'on appelle le bûcheron, tout simplement. Notre petit bûcheron fera. On remplit bien le camion. Voilà. Il me reste plus grand chose à faire sur le champ. On passe les pierres. Après les pierres, il faudra mettre un coup de rouleau, c'est ça? Après les pierres, faudra mettre un coup de rouleau et on pourra semer. Et le champ 13. Alors peut-être. Après le coup de rouleau, mettre un coup d'engrais. Comme ça, on se fera pas avoir cette fois-ci. Après le semoir, gna 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 gna, tu vois. Ouais. Sur le 17, tu parles ou sur le 13? Les deux. Et du coup, ça sera plutôt après le 13, parce que le 17, faudra... Enfin, c'est pas pour tout de suite les rouleaux, il y a les cailloux d'abord. Oui, mais là, les cailloux, ça va finir. Ça va finir, il est à peine au début. Hein. Et le champ 14 coûte 204 000. Ouais. Ouais, mais je voulais voir. Je vais essayer de couper l'arbre là. Je sais juste plus comment on fait.
me servir de la... Changer d'outil en main, agrandir, allumer. Normalement, faut incliner la tronçonneuse. Et Alors là, avant, je sais c'était pas clic du coup. droit, et maintenant, c'est pas ça. On va se renseigner, hein. Ouais, dans le prochain. Les cailloux, ils marchent plus, hein. Ok, n'empêche que ça marche, je viens de couper une branche. Ah bah nickel. Du grain de maïs. Le maïs est encore en train de monter. Bah tant mieux. Il marche plus, ce con. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les cailloux, faut le faire commencer de l'autre côté, sinon il va pas y arriver. Bon mec, tu nous fais un truc, mais du n'importe quoi, hein. T'es au courant? Je sais, je sais. Mais du coup, tu gaspilles de la chaux, genre. Non, non, t'inquiète. Alors que ça coûte cher. Oh, ça vaut Bien sûr que 300. si. De quoi? Ça vaut Ouais, mais 300. ça s'utilise vite, hein. Oui, j'avoue, ce champ, je le voyais tellement simple que je voulais faire un système qui n'a pas marché. Je vais rembourser l'entreprise, t'inquiète pas. Je sais que t'es un patron très difficile. Ouais, bien sûr. Trop indulgent, il faut dire. Parce que j'attends toujours mes salaires avant que je t'envoie au prud'homme. Du coup, Ah voilà. bah justement non, là, c'est toi qui me dois de l'argent pour les dégâts effectués sur mon champ. Tes dégâts, moi je travaille pour toi. Moi, j'ai pas eu de formation. Hein. C'est pas ma faute si t'écoutes pas en cours. Oh, c'est vrai que c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais le principal c'est ça. C'est que ça y soit. Hop. Et voilà, il y a de la chaux partout. Du coup, on va se réserver le mois de décembre avec la neige dans le prochain épisode, les bûches dans le prochain épisode, et on sera pas mal. Je vais descendre, hop. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Enzor 6B. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros like, à commenter. Sinon, je vous dis à la prochaine. C'était Pas Enzor descendre 6B. voir les fraises. Ah non, c'est trop loin. Je suis tout en haut là. Bah, descendu de change de tracteur. Et je prends quoi? Le petit jeune. Le petit Voilà. jeune. Ah oui, effectivement. Ouh! Donc du coup, et je vous dis à la prochaine. C'est l'air bon ça. Il va me les faire tomber. Je vais en prendre une, je vais la faire tomber. Ah bah. Comment on fait pour rattraper? Clic gauche. Oh purée. Oh là 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 là. Oh là! Obligé que ça m'arrive. C'était obligé Du quand coup, j'ai fait tomber les fraises. Du coup, on va se laisser là. N'hésitez pas à mettre un gros like, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était M06B. Ciao tout le monde. ciao.